Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo c'est une organisation, donc là c'est le meuble qui est sous mon évier. Et comme vous pouvez le voir c'est le bazar, il y en a de partout, enfin j'ai jamais organisé, je posais tout au fur et à mesure comme ça. Et là je me suis décidée à tout ranger et tout mettre en place comme il faut, que ça soit plus agréable et plus pratique surtout. Pour pouvoir prendre tous les produits d'entretien courant. Et donc aujourd'hui je vous montre ça et j'espère que ça va vous motiver, vous encourager pour vous aussi à la maison. Ça me permet aussi de faire du tri et de pouvoir jeter tout ce qui est à jeter, de pouvoir enlever les plastiques, les emballages, ou alors il y a des fonds de bouteilles de produits d'entretien que des fois je laisse dans le placard et je me dis je jetterai plus tard et des fois je le fais pas. Donc là c'est l'occasion de pouvoir tout trier, même au niveau là des chiffons, comme j'en ai un bon paquet, il y en a plein que je m'utilise plus, il y en a plein qui sont tachés ou enfin c'est des taches qui partent plus, donc voilà, c'est l'occasion de faire du tri. L'étagère que j'ai acheté, donc c'est une étagère qui se règle en hauteur et il y a un tiroir au niveau de l'étagère du bas, donc c'est vrai que c'est pratique pour attraper les produits qui sont souvent au fond qu'on range et qu'on n'arrive pas à attraper, là on a juste à tirer et puis c'est plus pratique. Et il y a aussi des petits crochets pour qu'on peut mettre sur le côté, donc c'est vrai que il est bien et vraiment
très solide. J'étais surprise parce que vu le... Je me suis dit en plastique, bon, à voir. Mais finalement, j'étais vraiment super étonnée qu'il soit aussi solide. Donc, parfait, je suis très contente de cet achat. Je vous le recommande et d'ailleurs, je vous mets les liens dans la description. Le résultat final pour l'étagère, donc ça se monte très bien. Tout est en plastique sauf les portants, donc c'est en métal et ils sont réglables. Là il y a le tiroir, donc il coulisse très bien, c'est très solide. Et donc plus les petits paniers sur le côté pour ranger 2-3 bricoles et les crochets. Donc vraiment je suis très contente de cet achat et j'ai hâte de pouvoir tout ranger à l'intérieur. Thank you.
Pour cette partie du meuble, j'ai opté pour un plateau tournant pour ranger tout ce qui est bouteilles de produits d'entretien. Donc plus pratique pour pouvoir les prendre déjà, pour voir ce qui reste et plus agréable à voir. Donc voilà pour cette partie du meuble. Et en plus, j'ai pu faire du tri et comme ça, quand j'ai des choses à racheter, j'ai juste à regarder, tourner le plateau et voir ce qu'il me manque. Troisième partie du meuble, je vais organiser tout ce qui est donc microfibre, torchon, éponge, pastilles de lave-vaisselle. Donc là, je commence par organiser et à mettre en place toutes les microfibres dans un seul container. Et je vais faire pareil pour chaque catégorie. Thank you.
maintenant que j'ai pu tout organiser dans les containers, j'ai plus qu'à mettre en place. Et vous allez voir le résultat final pour le placard. Vraiment, c'est vraiment plus agréable à regarder, plus facile et plus pratique aussi pour pouvoir utiliser tous les produits. Donc vraiment, je suis vraiment contente et j'espère que ça vous a motivé, encouragé pour vous aussi mettre de l'ordre dans vos placards. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et à très vite. Bye bye.